Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 16h, j'espère que vous êtes tous très bien les amis. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour le 21ème épisode de Far Cry 4 avec, aujourd'hui on va retourner voir Yogi et Reggie. Voilà, sur un coup de tête j'ai décidé d'aller retourner voir Yogi et Reggie parce que c'est pas mes loustiques préférés, mais ça faisait longtemps qu'on les a pas vus. Et puis au moins on va aussi aller à Shangri-La de nouveau je crois, hein, si je dis pas trop de bêtises. Enfin bref, ils vont nous faire consommer des trucs. Donc ça va être assez sympa, j'espère que vous allez bien. Avant qu'on y aille, alors on est à l'avant-poste qu'on a libéré dans le dernier épisode. Donc Yogi et Reggie sont là, on va stepper rapidement à la propriété des Gales juste après. Mais avant ça, on va faire une mission de libération d'otages. Parce que je sais que vous êtes nombreux à kiffer ça, et moi aussi je kiffe. Hop, libération d'otages. L'armée nous force à nous droguer. Et puis on nous en donne plus si on couche avec des riches. Vous savez, je suis libre. Mais ils tueront mes amis et prendront d'autres gens sans votre aide. Je vais m'en occuper. Eh oui. On va arrêter ce cinéma les gars, on va arrêter ce cinéma. Et les libérations d'otages c'est une de mes missions secondaires préférées. Oh. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est gentil. C'est surtout gentil. Incroyable. N'oubliez pas le pouce bleu. D'ailleurs merci à tous, vous êtes une communauté tellement bienveillante que depuis que je vous ai dit que vous pouviez mettre des dislikes, et ben du coup vous mettez des dislikes, c'est incroyable. Vraiment vous êtes tellement bienveillants les amis. Non mais c'est rigolo parce que je dis ça en rigolant. Like ou dislike, de toute façon voilà, tant que vous interagissez moi je suis content. Et du coup depuis que j'ai dit le like ou le dislike, et ben du coup il y a des dislikes. Avant il n'y en avait pas, personne mettait de dislikes. Et maintenant vous en mettez, vous êtes quand même des zinzins, hein. Bon je préfère toujours plus les likes. Mais bon, tant que vous interagissez comme dit, moi je suis content. Et donc on est parti pour cette libération d'otages. Ah, ah si c'est bon, 4 otages à sauver. Alors évidemment 2 minimum. Je vais pas répéter la chanson. Moi je fais pas les choses à moitié. On a une otage là, un grappin. Alors attends, parce que moi je vois qu'un seul otage et ça ça me plaît pas. Ça ça me plaît pas. Un véhicule qui s'arrête comme par hasard. Est-ce que je pourrais voir plus d'otages? Bon, il doit être à l'intérieur. Ah, 2, 3. Très bien. Très bien, très bien. Le quatrième, il devrait pas être trop. Et vous savez quoi? Je vais me piquer la seringue de chasse. Et là, je vais voir tous les gens. Voilà, il y en avait un caché encore. Par contre, ça me montre pas les otages, le dernier otage. Ok. Bon, les amis, on va commencer cet épisode en beauté. Eh, ça va pas être facile en vrai, hein. Ça va pas être facile en vrai. On va commencer par devant. Je sais que ça paraît contre-intuitif, mais pour le coup, on va devoir commencer par l'avant. Voilà. Merde. Tais-toi! Hop, ça dégage. Voilà. Bon, moi je vous le dis, je suis monstrueux. Voilà. Hein. Je suis monstrueux. Ok, tous les otages. Non, j'en ai un que je vois pas. Chut. Attendez, on va s'occuper de l'intérieur. Et après, on fera les deux derniers. Ok, regardez bien. Ah, regardez bien ce qui va se passer. Vous êtes prêts? C'est parti. Voilà. Terminé, pesé, emballé, c'est du travail propre. Moi je dis c'est du travail propre, en 4 minutes c'est réglé. Tous les otages sont libres bien sûr. Ça va? Vous êtes content? Hein? Vous êtes content? Bon, ils ont l'air contents. Attendez, il y a un coffre à récupérer. Il y a un coffre à récupérer. Là, voilà, parfait. Voilà, ça c'est fait les amis, je suis bien content. Ça s'est super bien passé, je suis un boss, merci à tous. Il faut que j'arrête de dire ça, je suis désolé. J'ai des nouvelles compétences, mais j'ai pas assez de points pour débloquer tout ce que je veux. Donc m'en bats les steaks. On va se TP directement à la propriété des Gales, à savoir chez nous. On va aller voir Yogi et Reggie, ça va partir en cacahuète, mais on adore ça. N'oubliez vraiment pas le like, c'est super important. Let's fucking go. Et ils ont pas intérêt à me faire des mauvais coups, s'il vous plaît. Bon, même si dans tous les cas ils vont m'en faire, mais c'est pas grave. Allez, let's go. Tu vois,
Ça marche. Je te l'ai dit, je le voyais à travers les murs. Hein? Arrête ton char, tu l'as entendu marcher. Non, 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 tu sais que je suis sourd d'une oreille. Tu te souviens de ça, Apollo? Ouais, le joueur de trombone. Ouais, le joueur de trombone, mon chou. Et enfin, maintenant que Jay est arrivé, il va pouvoir nous mettre d'accord. Tout à fait. Mais c'est notre invité, on doit être poli. T'inquiète, ça c'est de la super bonne. C'est un joint du troisième âge. Avec ça, tu vois à travers les murs de la perception. En fait, il te faut ça en plus pour sentir l'effet. On dirait qu'il commence à kiffer ça, Edgey, hein. Et ça, ça me plaît pas, hein. Bon. Là, déjà, on est toujours au Kirat, visiblement. Oh, mon Dieu. Ah, j'ai aucune arme. Ah, la classe. Donc je vois tout à travers les murs. Oculus. Ah, quel est le rapport avec Max Zuckerberg? Je ne sais pas. Hey Jay, désolé pour la surprise. Yogi a un peu forcé la dose avec la seringue, mais on devait te transporter pour l'expérience. Ce lot de seringue devrait tordre les murs de la perception. Tu atteindras de nouveaux niveaux de conscience et tu seras en communion cosmique et spirituelle avec le monde qui t'entoure. N'essaye pas de lutter, tu risquerais juste de faire un mauvais trip. La dose devrait faire effet jusqu'à ce que tu atteignes ta destination. En gros, on va rusher. Allez, salut! Ah non, mais je peux peut-être y aller discrètement, en fait. Eh, voilà. On récupère des trucs. Attends, je peux peut-être récupérer une arme, là, qui sait. Je suis pas obligé de les affronter. Ah. Bon, on va pas passer par là. Hein. Bon, bah, on va aller là-bas, hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là, j'ai pas le choix, là. Là, il va falloir que je cours. Allez, je cours. Allez, salut. Oh, mais putain. Oh, je suis où, là? D'accord. 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 Bon, allez, on y va, on perd pas de temps. On n'est pas là pour les conneries. On va rejoindre la destination. Wouhou! Very bad trip. Il vous manque des choses, retrouvez-les. On y va. Y'a pas de problème. Bon, la musique et les copyrights, merci beaucoup, hein. D'avance, si vous entendez le son de ma voix bizarre, c'est à cause des copyrights, encore une fois. J'en suis désolé. Oh merde. C'est vous? Oh merde. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait prendre, putain? Eh bah, c'est de la bonne, hein. C'est de la bonne. Vous savez tous. Ah, c'est nous. Bon, n'essayez pas à mettre pause. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Eh, c'est le moment de prendre cette voiture, non? N'importe quoi. Eh, Yoki et Riggy, je vais les goumer, hein. On va les goumer pour de bon. Ah, je vous le dis, hein. C'est salaud, là. Bon, jusqu'ici tout va bien. Quelques ennemis sur la route, mais on s'en bat les steaks. Voilà. C'est pour ça, en fait, ces missions-là, elles sont quand même particulières. Ok. Par ici. Dis-moi que c'est là. Hein. Oh. Oh. Arrête. Oh. Ah, mais je... Bah voilà, bah y'a plus de voiture. Y'a plus de voiture. Allez, salut. Allez, salut. Une nouvelle voiture, parfait. Un ours. C'est gentil, les ours. Petit ours brun. Oh, oh tiens, voilà quelqu'un. Allez, go. Quel enfer. Bon, déjà, on n'est pas à Shangri-La, c'est pas mal. Oh, du coup, on découvre des nouveaux endroits. Attendez, on en profite quand même. Chariot à poulie. Incroyable. Incredible, voilà, superbe. Wouhou. Hello again. Là, il y a des gens gentils. Vous inquiétez pas, j'ai consommé quelque chose, hein. Je suis un peu bourré, mais tout va bien. Qu'est-ce que ça? Ah, sac à butin plein. Très bien. Est-ce qu'on se croirait pas un peu dans Grinnell?
Excusez-moi si je parle beaucoup, c'est parce que je panique. Hein. On se croirait dans Green Hell. C'est fou, non? C'est la discothèque en tout cas. Hein. J'aime beaucoup ce qui se passe. Attends, on va passer par en dessous. Bon. Oh merde. Ils sont en bas, mais encore une fois, à mon avis, ils vont pas être là. Méditation de Kira, très bien. On découvre des nouveaux endroits. Ça me plaît, ça. C'est ça. Ça sert à ça, les missions. Oh non. Oh bah non, hein. Ah. Ouais, bon, ça sert à rien de lutter. Ça sert à rien de lutter. Eh, ils ont dit ça au début. Ils ont dit ça au début. Faut pas lutter, sinon on fait une overdose. Donc, on se laisse porter. On y va. Ça va bien se passer. J'ai un collègue là qui est là, très bien. Il doit être sobre. Pas comme moi. Ok, allez. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'espère quand même que ce sera bientôt fini. En même temps c'est assez rigolo, mais en même temps c'est pas... Voilà. Faut pas exagérer des bonnes choses non plus. Bon bah... Go descendre hein. Il y a encore une enveloppe à récupérer en plus, ça tombe bien. Allô. Allez, n'hésite pas à lâcher. Voilà. Oh mon dieu. Je me souviens pas d'avoir fait ça. Moi aussi, malheureusement. Oh la vache! Comment t'as... Comment c'est... Oh, c'est plus dégueu que ce que je croyais. Et on a vu que 30 secondes. C'est pire après. Après, j'ai... Je vois que ma petite concoction a eu de l'effet. Notre concoction. La nôtre. Vous m'avez drogué. On t'a proposé et t'as dit oui. Ouais, et puis t'es encore entier que je sache. Un bord d'homme. En plus, maintenant, t'as la recette. Ouais, comme ça, tu pourras profiter de ses effets dès que t'en auras envie. Comme un super pouvoir. Exactement. Et on en a un paquet en stock. Reviens nous voir la prochaine fois que tu voudras t'envoyer en l'air. Ok. En attendant... Bon bah ce n'était que ça. Pour le moment ça va plutôt bien. Très bien. La compétence durée de seringue de chasse prolongée a été débloquée. Ah, ça nous a débloqué une compétence en fait de compte. Incroyable. Et elle est où cette fameuse compétence? Elle est... ici, durée prolongée. Continuez d'apprendre cette compétence pour prolonger l'effet de la seringue. Waouh. On s'en fout. On s'en fout complet. Tout ça pour ça. Moi, je voulais aller à Shangri-La quasiment. Et eh ben, c'est pas grave parce que je pense qu'on va pouvoir les retrouver très bientôt. Yuri et. Bah non, Yuri et Reggie. On peut plus les revoir. Attendez, je rentre de nouveau à l'intérieur. Parce que. Bah, parce qu'il y a des choses à voir. Regardez par là. Regardez par là. C'est une vraie grotte en fait. C'est une vraie grotte, alors autant rapidement l'explorer. Il y a une enveloppe à récupérer, des petits trésors ici et là qu'on va pouvoir revendre. Bon, même si je suis full. Par là, regardez. Oh. Ah, je peux pas passer par là. Ok, je peux pas passer par là. Ah. Voilà. Ça c'est fait, lettre perdue. Lettre perdue, hop, on redescend. Très bien. Bah, ils sont déjà plus là, Yogi et Reggie, incroyable. Rapport journalier, médecin au grand cœur, d'accord. Ok, bah écoutez, pourquoi pas. Bon, ben ma foi, je pensais pas que ça se passerait comme ça. Mais on va aller directement enchaîner une mission. On va aller chez nos copains, nos copains du Sentier d'Or, juste ici. Parce que Willis, on en a assez entendu parler. Alors on va passer d'ailleurs à côté de Willis. Mais on va pas faire la mission de Willis parce qu'on a enchaîné deux épisodes avec lui. Hop, je récupère également le journal de Moen Gale. Donc Willis il nous attendra un petit peu. Parce qu'il va encore nous envoyer à l'Himalaya hein. Je dis ça je dis rien Vous avez vu il est prêt avec son avion. Donc ce n'est pas l'idée. On va aller voir le sentier d'or. Évidemment, que va-t-il se passer? Eh bien c'est très simple. On va devoir encore faire le choix entre Amita et Sabal, j'imagine. Ça va être absolument fou. Qu'est-ce qu'il veut le cochon? Il est malade lui. Allez on y va. Wouhou. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Oh, j'espère que vous avez apprécié cette petite mission. Bon voilà, il fallait faire des tests hein. Attendez, je vais essayer d'aller d'aller le plus haut possible. Même si on voit rien, c'est pas grave. On va essayer d'aller le plus haut. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Oh bah mayday, mayday, mayday.
Sautez. Allez, je me barre. Wingsuit. Il est où l'appareil? Je ne sais pas. Il se crache en tout cas. Et nous aussi, par la même occasion. Bon, c'est chiant qu'il fasse nuit là. Exprès, j'ai commencé l'épisode, il faisait jour et là il fait nuit. Bon, c'est pas grave. Allez, on y arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. J'ai très peur. En général, bah, ça va être une histoire d'opium encore hein, à tous les coups. Hein. Voilà, on s'est bien mangé un arbre, c'est parfait. Comme on aime. C'est pas ici. École primaire. Ah, mais attendez, on avait déjà pas fait de mission ici? Je ne sais plus. Allez! Bonjour à tous. Tu ne vaux pas mieux qu'un dealer. C'est tout ce que tu es. Tu sais qui tu me rappelles? Oh oui, Pagan. Oh, je suis comme Pagan, tout ça parce que j'ai des ambitions pour le Kirat. Réfléchis, j'essaye de nous sortir de tes conneries de tiers-monde. C'est notre histoire, notre culture, nos traditions. Des traditions? Comme quoi? Marier les petites filles, c'est ça? C'est ça, ton projet pour Badra? Oh, mais vas-y! Vas-y, montre à Edge ce que c'est, un vrai mâle! Je ne jouerai pas à ça avec toi. C'est au tour de Noor. Là, au moins, on est d'accord. Elle n'a pas eu le choix. Pagan a forcé Noor à faire tout ça. Il tenait sa famille. Et elle, combien de familles elle a tué pour sauver la sienne? Ses motivations, ça ne compte pas. Elle va payer. Comme tous les autres. Pour Noor, je déciderai moi-même. Oh là 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 là! Qu'est-ce que c'est bon, ça! Le messager doit mourir. Oh, j'adore ce qui se passe. Rejoignez Sanat. Donc Sanat, la reine, on va même pouvoir faire un TP rapide et on va pas se casser la tête. C'est incroyable ce qui se passe. Dans tous les cas, Amita, Sabal, bon, voilà, hein, on les connaît. Mais ils sont quand même d'accord sur un point, c'est par rapport à Noor, qui doit mourir. Noor qui nous a envoyé dans l'arène, hein, je le rappelle. Mais en même temps, la pauvre, bon. Mais je m'en fous, elle me voulait du mal. Du coup, je sais même pas si je veux la tuer ou pas, moi. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on est reparti pour faire l'arène. Tu crois que t'es capable de... J'ai très peur. J'ai pas un bon souvenir de l'arène, pour être honnête avec vous, à part les seins, mais... Allez, trouvez le moyen d'entrer dans les coulisses. Je crois que l'arène, c'est pas vraiment... D'accord, il faut que je rentre dans les coulisses. Non mais attendez, moi je pensais pas que j'allais faire une infiltration dans un endroit safe. Ok. Ouais, je vais... Aïe, rentrer par là. Bon, passe au plan B. Bon bah là c'est mort. Là c'est mort, on va passer par ailleurs. Tu parles à moi là, salope? Eh, hey, parle-moi. Ou alors tu peux tenir les serpillères. Mais tu m'as pas vu combattre. Mais elle m'a pas vu combattre, cette chienne. Eh, mais c'est quoi ça? Mais attendez, eh. Elle a dit que je suis une que je suis nul. Mais elle m'a pas vu combattre. Tu déconnes? Bon, eh, hey, comment... Ah purée, j'avais pas vu le grappin là-haut. Quel débile. Oh, je suis fâché, ça y est. Vous avez entendu ce qu'elle a dit sur WAM? Incroyable. Bon, il faut qu'on monte par là. Et puis c'est bien parce que personne va me cramer là. Voilà, personne va se poser des questions. Allez, salut. Je suis Spider-Man. Bon. Ceci étant dit, ceci étant fait. Là. Wouhou. Hop. Wouhou. Ah, j'ai trouvé. Incroyable. Une grille d'aération. J'adore. Ah, c'est gênant. Ok. Puis alors bien sûr, il y a une lumière qui est bien pointée dessus, quoi, tu sais. J'adore comment c'est bien fait. Oh mon dieu. Bon. Fais ta maline, Noor. Je sais pas ce qui t'attend, mais il t'attend quelque chose, d'accord? Alors. Ça sent pas bon. Rejoignez la salle des commandes. Bon, tant que j'ai pas à faire d'arène, moi ça me va. Ah!
Ça c'est gênant ça. Ça c'est gênant. Est-ce que je peux passer par là? Non, d'accord. Bon. Bah on y va hein. Vous allez y passer hein. Semer le chaos. Mais non. Ok mec, let's go. Lâchez un loup. Lâchez un tigre. Un ours. Rhinocéros. Wouhou. Attendez, on sort l'appareil photo. Let's go. Let's go. Attends, encore un loup. Un tigre. Un ours. Let's go. Il est où le dernier? Il est là en bas. Ah bah il est mort. Excellent. Ok. Tu m'entends là-bas? Tu es mort. Ah, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je sais déjà pas quel choix je vais prendre. Je panique. Attendez, je panique parce que vraiment je sais pas si je dois tuer Nour ou pas. En vrai elle a tué plein de gens mais elle a des beaux nichons. Non mais c'est vrai. Faut prendre ça en compte quand même. Ok. Bon. Messieurs dames. Bah, je préf... Oh j'ai libéré le tigre. J'ai libéré le tigre, j'ai pas fait exprès. Oh non. Oh non. Ouah. Oh non. C'est bon. C'est bon. Ok, mort. Mort. Attendez. J'en profite hein, si déjà. Voilà. On a quand même de la peau. De tigre. Du bengal. Ah je peux plus, très bien, allez hop. Voilà, super bien. J'adore ce jeu. Oh oui. Allez. Nour, je vais te fumer. Ah. Petite cascade. Parfait. Ça s'est bien passé, hein. Nour. Parlez à Nour où tu es là. Nour. J'ai pas cherché à comprendre hein. Voilà. Bah voilà. Vous allez me détester. Je pensais pas que ça se passerait comme ça en fait. Pour être très honnête avec vous. Bah j'ai tué Nour hein. Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai pas cherché à comprendre ce qu'elle racontait hein. Moi je me suis dit, voilà, tu parles, arrête de t'épuiser ma grande. Hein. Sabal, c'est fait. Nour est morte. Le démon Yalung a des projets pour elle, ne t'en fais pas pour ça. Beau travail mon frère. Le Sud est enfin à nous, et le peuple commence à retrouver la foi, même si certains refusent d'apprendre. Mon frère, j'ai reçu des infos sur Agatawada, la forteresse de Nour. Ses défenses sont affaiblies depuis sa mort. Tu devrais préparer une attaque et t'en emparer pour le Sentier d'Or. Bah j'ai bien fait du coup hein. Bon je l'ai pas laissé parler parce que en fait je vais vous expliquer pour être très honnête avec vous. Pourquoi j'ai pas laissé parler Nour et que je l'ai buté instantanément. Alors je pensais que ça allait faire une cinématique supplémentaire mais en fait que nenni. Pourquoi? Bah en fait j'avais peur que si je ne fasse rien et que j'attende trop longtemps. Eh ben j'avais peur qu'elle me jette dans l'arène. Parce que j'ai un souvenir où je crois qu'elle pouvait encore nous jeter dans l'arène. Je suis pas sûr hein. Et j'avais peur de refaire l'arène. Donc je l'ai tué instantanément que je l'ai vu. Et c'est une bonne chose parce que maintenant on va pouvoir faire la forteresse de Nour qui est là, voilà. Et du coup c'est le bon moment pour aller l'attaquer.
Et moi je vous propose qu'on y aille directement. On va faire ça, mais d'abord il y a un convoi qui arrive là. Et qui dit convoi, qui dit convoi, dit convoi pas. Ah. Ah. Oh, j'ai eu chaud au kiki là. J'ai eu chaud au kiki quand même hein. Bon voilà. Allez, du coup ce qu'on va faire, on va faire un, on va mettre le point, on va faire un TP rapide pas ici, mais un TP rapide ici parce que sur l'aéroport on peut pas acheter d'armes ou quoi, alors qu'ici on peut. Voilà, j'ai une bonne mémoire. Là ici, hop, je prends l'armoire, ça va me permettre de faire direct le plein de munitions. Vendre, je ne peux pas vendre. Acheter personnalisé, seringue, gilet pare-balles, on va en avoir besoin. Et puis bah, c'est parfait, on pourra appeler des mercenaires d'ailleurs si jamais c'est la merde. 6 mercenaires, très bien ça. Si jamais c'est le caca, on pourra s'en sortir. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on fait durer le plaisir hein, ces derniers temps, sur les derniers épisodes là. Donc cet épisode va un petit peu plus long. On va faire la forteresse de Nour. Je rappelle qu'on a fait une forteresse jusqu'à présent. On l'avait fait sans faire exprès d'ailleurs à la base. Il y a un événement, j'arrive. J'arrive les loulous. Hop. Toi t'es mort. Toi t'es mort. Voilà, encore un peut-être. Viens là Coco. Hop, ça dégage. Merci à tous. Bon, ceci étant dit, ceci étant fait, j'adore dire cette phrase. Quelqu'un veut me donner de l'argent? Toi? Non? Toi? Tu... C'est pas passé. Toi? Sans toi, je serais mort. Non? Je toi? Personne veut me donner de l'argent? Excuse-moi. Ah! Merci! Allez! On va aller à la forteresse de Nour. Sur le chemin, est-ce qu'il y a des... Oui, il y a des lieux inconnus là, pas mal. C'est parfait ça. Comme ça, je fais pas d'ellipse. On en profite ensemble. En plus, on va pouvoir aider ce monsieur qui est en pleine galère. Un léopard. Où c'est que tu vois un léopard? Moi je vois juste un mec qui t'a réparé la voiture. C'est pas possible. Bon, de rien. Ouais, bon merci. Allez, hop. Eh, vous m'avez saoulé hein. Vous m'avez saoulé. Je me casse. Je prends votre voiture que j'ai réparée. Ah, il voulait me donner de l'argent, mais c'est pas grave, c'est trop tard. Allez hop, le pont à tout moment il s'écroule. Excellent, là il y a des ennemis. Alors regardez ce qui se passe. Et eh ben on leur fait un dos d'honneur et on passe devant sans problème. Voilà. Et puis là il nous reste 500 petits mètres. Des sangliers. Le sanglier. Ah attendez, il y a un lieu secret là, on y va. Enfin un lieu secret, c'est pas secret, c'est un lieu inconnu, tu m'as compris. Donc on va en profiter. Hop, on prend le petit chemin. Il y a la tour radio juste à côté en plus. Je sais pas pourquoi je suis pas passé par là l'autre jour. Hop, il y a un moulin prière. Non, c'est une affiche de propagande, très bien. D'ailleurs je crois qu'il y a 4 forteresses au total hein. Ashram Jranki. Ah oui, c'est le mot de passe Wifi, ça je reconnais. Ok. Par contre mon sac à butin il est si plein que ça, c'est un truc de ouf. Ouais, si je regarde progression forteresse, il y a au total, c'est pas ici qu'on les voit les forteresses. Si, il y a 4 forteresses au total. Donc là on va faire la moitié, on va faire le deuxième du coup. Excellent. Excellent, alors forteresse, est-ce que ça dit combien il y a d'alarmes? Non, d'accord, très bien. Bon, c'est génial. Est-ce que je peux reconfectionner des seringues? Seringues d'overdose, je m'en fous. Seringues de chasse, c'est ça ce qui m'intéresse le plus. Il faut feuilles rouges et fleurs bleues. Feuilles rouges et fleurs bleues. J'espère en trouver sur le chemin. Ah bah voyez la forteresse. Ah ouais ouais ouais. Bah on va en chier. Ça n'a rien à voir avec la première forteresse qu'on a fait, j'adore. Eh bah c'est la merde. Allez salut, à la one again. La di dja di dja. Bah on va quand même aller de l'autre côté pour prendre la hauteur. Parce que là si on passe par l'entrée ça va être complicado. Voilà, magnifique. Hop. Là personne m'a cramé, c'est chouette. En parlant de cramé, on s'approche de la fumée. J'ai cru voir un ennemi mais c'est bon, tout va bien. Deux alarmes. A priori. A priori deux alarmes. Bon, faut en profiter, la forteresse est affaiblie comme ils disent. Mais bon, qu'est-ce que tu entends par affaiblie? Je ne sais pas, on peut passer par là, what the fuck? Oh là là. Ok, par où je me suis faufilé, je ne sais pas, mais... Bagadure. Je ne sais pas qu'est-ce qui est dur. Mais je crois que je suis rentré dans la forteresse, messieurs, dames. Je suis rentré dans la forteresse. Incroyable. Bon, l'alarme, il y en a une là.
Moi je pensais pas que je rentrerais comme ça. Ah mais les deux alarmes sont là. Y en a que deux frère. Ta gueule. Bon bah alarme toute désactivée mon ref. C'est fou non? Incroyable. Incroyable. Bon, il y a peut-être un masto au bout du fil, mais c'est pas grave. Ok, bah j'ai désactivé toutes les alarmes, les gars. C'est quoi cette forteresse? Elle est super simple. Hop. Ça c'est fait. Ah, j'ai un sniper sur WAM. Il est où? Ah, il est là-haut, regardez. Regardez le loulou. Regardez le loulou. Là, je suis là. Putain, mais c'est incroyable ce qui se passe. Ils savent pas où je suis, quoi. J'adore ce jeu. Ah, il y avait une alarme là. Elle a été détruite. D'accord. Ah, j'aurais pu rentrer par là. Ah ouais, ils se sont déjà fait allumer, regardez. Parce qu'on a tué Nour. J'en suis capable, ça... D'accord, en fait ça aurait été vrai. Ok, ouais, j'ai compris. Si on n'avait pas tué Nour. Vous arrêtez de parler quand je parle. Si on n'avait pas tué Nour, il y aurait eu plus d'alarmes, plus de gens, etc. Bon bah du coup je vais descendre. Je vais descendre, mais j'aimerais juste éviter de mourir. Pourtant je suis sûr qu'on n'est pas tout seul. Oui oui, bah vous êtes pas tout seul. Compris. Ah, attendez, bouge pas. Voilà. Ça c'est fait. Il est où le mec qui m'a vu? Il est là. Hop, merde, dommage. Voilà. Et puis il en reste plus qu'un. Hein. J'arrive. Wouhou. J'arrive mon ref. À la bonne again. Allez, ça. C'est fait, c'était épique en plus, j'adorais. Aucune alarme, forteresse conquise. La deuxième sur les quatre. Mais c'était facile parce qu'on a tué Nour. Ça l'aurait pas été si Nour il était en vie en fait. Oh mon dieu. Quel enfer. Incroyable, et bien c'est fait, nous avons une nouvelle forteresse qui est à nous. Et ça c'est beau, forteresse de Bagadur conquise. Les hommes de Nour n'attaqueront plus les avant-postes libérés de la région. Oh. Ok. Donc là maintenant les avant-postes ils vont plus se faire attaquer. Oh c'est excellent. Enfin les avant-postes d'ici en tout cas hein. Après il y aura encore tout le reste. On est à la moitié du jeu en fait hein, concrètement les gars hein. Libération d'otages. Vas-y go. On enchaîne les gars. On enchaîne. On fait le plein de munitions. Et je vais les sauver t'inquiète. J'achète juste de nouveau bah j'ai tout ce qu'il faut c'est bon. Allez je vais m'en occuper. On va s'en arrêter là pour cet épisode très bientôt. Juste après avoir libéré les otages. Ça fera une double libération d'otages. Nour est morte, et nous contrôlons sa forteresse. Maintenant, l'armée sera beaucoup moins présente dans le sud. Bien joué, fils de Mohan. Merci beaucoup, fils de pute. Non, je rigole. excellent, en tout cas, moi j'ai adoré. Cet épisode est absolument riche en contenu. On en a fait beaucoup. Salut, salut. Non, je suis vraiment un touriste. Tiens, fais-toi bouffer par les sangliers, toi. Allez, libération d'otages, on y va. Ah j'espère vraiment que vous kiffez. Ils ont tous des problèmes de voiture ici ou quoi? Ah non. C'est sympa ça comme musique, c'est du hip hop. je fais le boomer. Alors ça se passe par ici, on va faire ça bien aussi. Bon là c'est pareil, on n'est pas obligé d'être discret. Le but c'est juste que aucun otage se fasse descendre. 4 otages. Très bien. Ok, il y en a un qui se cache déjà là. Pas du tout. Si. 1, 2, 3, 4. On va prendre la hauteur comme d'hab, ils sont pas malins. Ils sont pas malins quand même. Dans la vraie vie, normalement, tu prends déjà les hauteurs pour pas que quelqu'un puisse te prendre par au-dessus, quoi. Où sont les otages? Dans la maison peut-être déjà? Là. 1, 2. Bon, malheureusement, il y en a déjà qui sont morts. 3. Bon, il y en a peut-être un dans la maison là-bas. Qui c'est? Allez, qu'est-ce que t'attends?
Ah oui, d'accord. Ils sont en train de s'auto-tuer en fait. Ah. Ah. Parfait. Parfait. Bon, regardez comment ça va se passer, les amis. Ok, lui, je vais pas le faire, sinon je vais me foutre en l'air. Ce serait dommage. Oh purée. Regardez bien, messieurs, dames, comment ça va être beau ce qui va se passer. Voilà, j'ai eu chaud au kiki. Ne dis rien, toi. Ne dis rien, toi, surtout. Hop. Voilà. Fais genre que tu travailles. On va passer par l'intérieur. Chut. Ok. Ah! C'est gênant. Viens par là, toi, viens par là. Viens par là, paupiette. Voilà. Tu vas rester, tu vas faire dodo. Bon, bah là, ça va aller très vite, mais j'aime bien faire ça proprement. Donc, si j'ai moyen d'en faire un enchaînement, ce serait chouette. Attendez, j'ai une idée. J'ai une idée, mais encore faut-il que ça fonctionne. Yes. Je suis un monstre. Incroyable. Eh, hey, ça s'est exactement passé comme je voulais. Et encore, j'aurais peut-être pu faire encore mieux. Mais ça s'est exactement passé comme je voulais. Incroyable. Eh bien les amis, c'est là-dessus qu'on va s'en arrêter là pour cet épisode. Je pense que celui-ci aura été très fructueux pour le coup, hein. Soyons honnêtes. J'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like. Si vous l'avez pas kiffé, ce qui m'étonnerait, eh bien vous mettez un dislike. Le petit commentaire également qui fait plaisir et qui encourage, et l'abonnement, très important pour ne rien rater. C'était Mkolo, plein de bisous. Pourquoi il s'excite, je ne sais pas. Ciao tout le monde. La libération de ces otages est un excellent début. Ça fait autant d'esclaves en moins pour Pagan. Et encore moins d'argent pour son trésor de guerre.